Bien qu'il y ait des étiquettes sur les boîtes, la seule vraie référence à prendre en compte lors des achats de nos œufs sont les numéros qui sont inscrits sur l'œuf. Il en existe 4 pour 4 sortes d'élevages différents. Tout d'abord, il faut savoir que pour chaque élevage, les poules ont les becs coupés, les poussins mâles sont gazés ou broyés, et les poules sont abattues après 1 an de ponte. Ici, le chiffre 3 comporte la mention « œuf de poule élevé en cage », d'où 16 poules par mètre carré, l'équivalent d'une feuille A4 par poule, et pas de sortie à l'extérieur. Le plus rare est le chiffre 2, qui lui comporte la mention « œuf de poule élevé au sol », c'est-à-dire 9 poules par mètre carré, moins de 2 feuilles A4 par poule, et pas de sortie à l'extérieur. Le chiffre 1 comporte la mention « œuf de poule élevé en plein air », c'est-à-dire 6 à 9 poules par mètre carré en intérieur et un accès à l'extérieur de 4 à 5 mètres carrés par poule. Et pour finir, le chiffre 0 est équivalent à la mention du chiffre 1. Mais les œufs ont en plus une valeur biologique grâce à la nourriture saine des poules.